Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Foot Trotter, le 22e. On est à Gare du Nord. Juste derrière moi, on a le train pour aller direction Lille pour le match le plus important en Ligue 1 de l'année, parce qu'il y a eu la Ligue des Champions, donc c'était très important. Mais là, c'est le match le plus important de Ligue 1 cette année pour Lille, puisque c'est le derby contre Lens. Voilà, la victoire est primordiale ce soir. Et voilà, je vais vous emmener avec moi pour ce derby. Bon, on est arrivé à l'hôtel, ça y est, 16h30. Le match commence dans 4h30. Hop, petit room tour. Voilà, on a le lit juste ici. On a ici la salle de bain. Et c'est réglé. Voilà. Simple, efficace et pas cher. C'est pas la maf, mais c'est quand même bien. Seul petit problème, c'est que j'ai ça. Et c'est mieux comme ça. Bon, comme vous l'aurez compris, forcément pour Lille, très chaud pour ce soir. Vraiment, j'ai très très hâte parce que ça fait déjà deux fois qu'on joue Lens cette saison. Et on a perdu les deux. Comme ça, au moins c'est réglé. Voilà, au moins sauver l'honneur, tu vois, de cette saison en Ligue 1. Parce que déjà, c'est catastrophique en Ligue 1, même si on a eu un beau parcours en LDC. Mais au moins sauver l'honneur, j'aimerais bien. Et puis pour un premier derby, par contre, ce qui me fait chier, c'est que ça fait quand même 4 matchs que je vais voir de l'équipe à domicile. Bah, où l'équipe à domicile ne gagne pas. J'espère que la malédiction prendra fin ce soir. Voilà. Bon, on a pris le métro. On a le stade Pierre-Mauroy juste devant. C'est incroyable, ça fait tellement longtemps. Ça fait depuis septembre dernier que j'ai pas été à Lille. Dernier match, c'était Lille-Wolfsburg. On espère avoir plus de buts. Voilà, petit chef-d'œuvre. Petit quoi, toit qui se ferme. Mais là, il n'y aura pas besoin. Parce que vu le beau temps qu'il y a, ça va être incroyable. Pour combler la petite faim et l'attente, des 2h30 encore à attendre, petite fricadelle des familles. Erreur de débutant, j'ai j'ai une longue queue devant moi et je dois attendre. On va louper le coup d'envoi. Je suis dans la merde. J'ai jamais vu une sécurité aussi éclatée pour faire rentrer dans un stade. On est à 6 minutes du coup d'envoi, toujours dehors, les compos étaient faites. Je suis dévasté, vraiment trop le seum. On est en retard, ça va débuter, c'est parti. C'est parti pour le coup d'envoi. Exceptionnel. Petit fumier, tout ça, incroyable. Grosse ambiance du côté des DVE. Non, on n'a pas pu voir, j'ai pas pu voir les tifos. La vue est royale, vraiment exceptionnelle. Je suis sur un strapontin, mais je vous jure que la vue, elle est exceptionnelle. Oh, seul. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ouverture du score pour Lens dès la troisième. Frankowski qui vient d'ouvrir le score à la quatrième. Putain de merde. Pas comme ça, putain. Vraiment Gourvenec, il a du sang sur les mains, cet enculé. Allez. Putain, c'est royal. Juste là. Allez. Mais il n'est pas attaqué. Il n'est pas attaqué. Heureusement qu'il y a un retour derrière. Il n'est jamais attaqué, ils font que de reculer. Allez. Oh oui. Oh oui, envoie-toi et donne. Envoie-toi et donne. Oh, 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 incroyable. Allez, allez le crack. Oh non. Je suis au bout de ma vie. J'espère qu'on va gagner parce que là, ça fait le cinquième match d'affilée que je vais voir où l'équipe à domicile perd. On fait match nul. Heureusement qu'il est là, frère. Regarde, derrière, ça suit pas. Mais ça suit pas derrière. Bah ouais. Putain de merde.
Et comme une soirée cauchemardesque ne pouvait pas être mieux sans l'entrée de Bradaric à la place de Gudmundsson. Putain, envie de se foutre en l'air, frère. On ne joue que la 22e minute. The B. Allez, la petite pépite là. Oh! Oh là 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 là! Mais oui, monsieur! Vas-y! Oui! Oui, monsieur! Oh la récupération! Allez, bon bon! Allez, allez, boum! Oh non! Putain! Ah, je suis abattu, je suis abattu! C'est trop, ouais! C'est quoi? C'est quoi, sérieux? Y'a pas à être nul comme ça, frère! C'est le pire match de ma vie. Et les ultras qui demandent de mouiller le maillot. Bien sûr. Là, c'est trop. La défense. La défense, le milieu de terrain, c'est catastrophique. Allez. Un peu de réaction, voilà, dans cette équipe, bordel. Un peu d'amour du maillot, ça fait pas de mal. Quoi, la barre? Non. Non, 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 pense pas. Commencez pas à me niquer ma soirée non plus. Encore plus. Oui! Merci. Allez. C'est logique. C'est la mi-temps. Putain de merde. On a de la chance. Ça se tape. Ça se tape entre eux. Mettez plus d'énergie sur le terrain, bande d'enculés. Mi-temps catastrophique. Putain. En vrai, dans les occasions, ils n'ont pas eu grand. Ils n'ont pas eu grand chose et tout. Mais dans le jeu, tellement de déchets, tellement de trucs. Ça me rend fou. Vraiment, ça me rend fou. Les mecs sont même pas dignes d'avoir ce maillot. Vraiment, c'est dégueulasse. Dégueulasse, je suis dégoûté. 7 ans qu'il n'y avait pas eu de derby avec du public. On se prend une branlée. Fait chier. Allez, c'est parti pour la deuxième période. Let's go! Onana à la place de Sheka. Buteur, quand même. Merci les travaux. Ça charrie un peu. Ouais, il met trop de temps à tirer ce chien. J'aurais bien voulu sauter, mais le problème c'est que vas-y, j'ai un strap pour toi, après ça va se ranger et tout. C'est une galère. Je suis avec vous les refs. Vas-y toi, arrête de donner des conseils. Va donner des conseils à Guingamp, enculé de ta mère. J'espère que vous passez une meilleure soirée que moi. Alors zéro van. On a des là à l'heure actuelle on a Jérémy Pied et Demagogue Bradaric en latéraux. Là, à l'heure où je vous parle, là, c'est fait. Pendant 10 minutes, on va jouer comme ça. Tu crois qu'on va égaliser? Mais de me foutre en l'air, putain.
Sérieusement, c'est quoi ça? Ah, les centres! Oh, centre pas en fait! Centre pas! Il y a le boucher charcutier de Bastia, de Toulouse, qui rentre en jeu. Oh la vache, Cahuzac! Bien sûr, encore Venec démission. Putain! Il y a des joueurs aussi qui doivent se barrer de là, frère! Il y a 10 minutes. Voilà, victoire de Lens ici. Je suis dégoûté. Il n'y a que Onana qui vient applaudir. Et après tout le reste se barre. Que des sans-couilles dans ce club. Les Zegrova, heureusement qu'il était là aussi, il a fait un petit match quand même. Pied. Mais ça veut enlever la barrière et tout. Oui. Oh dingue. En même temps, ça a ras-le-bol. Hein. Je comprends. Bon. Fin de ce vlog frauduleux, ce derby surtout frauduleux en vrai. Non, je suis totalement déçu de ce club de merde qui nous ont construit en un an. Voilà, là on joue, on peut se battre avec Saint-Etienne pour le maintien en Ligue 2 là. Heureusement qu'on est pas 7e, hein, puisque Lens vient de nous passer devant. Ça fait plaisir. Bien joué à vous les Lensois, hein, pour votre première victoire à Pierre-Mauroy, enfin à Lille, depuis 2003. Ceux qui sont nés en 2003, donc ont 18 ans, viennent de se dépuceler à 23h. Bien joué à vous. En vrai, bien joué. Bien joué, bien joué. Vous avez été pas très très bon, mais on a été encore plus nuls. Donc voilà. Moi, ce que je veux m'attarder vraiment, c'est sur ce club qui est le LOSC. Pourquoi il y a des joueurs catastrophiques dans ce club? Je vous jure qu'il y a des joueurs qui n'ont même pas le niveau de Ligue 2. Bradaric, Pied, comment il s'appelle, Sheka, merci d'avoir marqué ton but, hein. Bravo, etc. Mais de te faire un claquage sur une espèce de reprise de volée avant, ça aussi, on le retiendra pas. Yilmaz, il y a tellement de joueurs que je peux vous sortir qui doivent dégager de ce club. Vraiment, au lieu de vendre des Jonathan Ikoné, des Luis Arroyo, pourquoi vous n'achetez pas des joueurs défensifs? On a perdu Mike Maignan, on a perdu Reinildo, on a perdu notre dignité surtout, frère. C'est trop. J'ai dépensé 200 euros au total pour ce voyage, hein, train, hôtel, plus place. Et bah ouais, voilà. Ça me régale pas trop, hein, on va pas se mentir, j'ai connu mieux. Je ne refoutrai plus les pieds à Pierre-Mauroy tant que ce connard de coach qui croit encore coacher un club de Breton de Ligue 2 sera entraîneur de Lille, hein, très clairement. Je n'ai pas les mots, vraiment j'ai pas les mots. Comment, je vous jure qu'en début de saison, comment tu peux recruter un mec comme Jocelyn Gourvennec alors que tu as des Lucien Favre, des Rudy Garcia, etc. Libre. C'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible d'être aussi con dans la manière de gérer un club comme ça. Je vous parle à cœur ouvert parce que j'aime ce club. Ça me fait mal de le voir comme ça. On a été champion France l'année dernière. On n'est pas digne d'avoir des mecs qui sont comme ça dans notre club, que ce soit à la tête ou que ce soit sur le terrain. Pensez aux supporters vraiment qui se déplacent tout le temps pour voir les matchs. Mais c'est normal que le stade il est vide. C'est normal que le stade il est vide, vraiment. On a fait match nul contre Bordeaux à domicile. On a fait match nul contre Metz à domicile. On a fait match nul contre Saint-Etienne à domicile. Ce sont les trois derniers du championnat. Je vous jure que la saison commence maintenant, on joue maintien. Je suis dégoûté. On fera un vlog un peu plus tard. Je vais me calmer avec les vlogs. Là, j'ai besoin de souffler un petit peu. Je vous fais des bisous.
prenez soin de vous. C'était Drops. À très très vite pour un nouveau vlog. Le prochain vlog sera un match de Ligue des Champions féminine entre le PSG et Lyon. Voilà. Ciao ciao. Rendez-vous début mai. Sinon, rendez-vous sur les lives commentaires sur la chaîne. Ciao.